Faire une licence de mathématiques, c'est bien sûr s'intéresser en tout premier lieu aux mathématiques elles-mêmes et à leurs débouchés professionnels. Mais ce n'est pas tout. En effet, c'est assez peu connu, les études de mathématiques ou à forte composante mathématique vous permettront aussi par la suite d'exercer des métiers très variés. Vous pourrez ainsi vous orienter vers des secteurs très divers et parfois inattendus, comme la biologie, la chimie, la météorologie, mais aussi la finance, l'intelligence artificielle ou l'industrie de haute technologie. L'objectif de la licence de mathématiques de Sorbonne Université est de vous fournir un socle solide de connaissances et compétences en mathématiques nécessaires à l'exercice de ces nombreux métiers. L'enseignement dispensé en licence de mathématiques s'appuie sur plus de 150 enseignants-chercheurs de Sorbonne Université, dont les spécialités couvrent tous les champs des mathématiques et de leurs applications. De plus, vous acquérez des compétences transversales, anglais, informatique, et vous aurez la possibilité d'effectuer une partie de votre cursus à l'étranger. La licence de mathématiques se décline en divers parcours. Le parcours monodisciplinaire est pour vous si vous souhaitez acquérir des connaissances solides en mathématiques. Le contenu couvre une grande variété de domaines mathématiques, comme l'analyse, l'algèbre, la géométrie, l'aléatoire. C'est aussi le parcours de prédilection si vous comptez poursuivre les mathématiques après la licence. Si vous avez l'ambition et la capacité de suivre un parcours d'études exigeant au rythme élevé en mathématiques, alors vous pouvez le faire au sein du parcours monodisciplinaire intensif. Vous pourrez y accéder sur dossier et vous y apprendrez plus de mathématiques que dans le parcours monodisciplinaire. En revanche, le rythme sera plus soutenu. Le dispositif majeur-mineur vous permet, si vous le souhaitez, d'acquérir une formation bidisciplinaire associant une formation majeure dans une première discipline et une formation mineure dans une autre. À l'issue, la discipline majeure étant dominante, vous obtenez uniquement le diplôme de la formation majeure. Dans le cas d'une majeure en mathématiques, il est possible de suivre toutes les mineures offertes par Sorbonne Université, qu'elles soient scientifiques, comme par exemple l'informatique, la physique, la mécanique ou l'électronique, ou non scientifiques, comme le chinois, l'histoire ou la philosophie. Les doubles licences sont une version intensive des parcours bidisciplinaires, exigeants à haut rythme et dans deux disciplines à parts égales. Ces parcours sont accessibles sur dossier. Si vous suivez un tel parcours avec succès, vous obtiendrez en troisième année les diplômes de licence de chacune de vos deux disciplines. La licence de mathématiques s'associe à quatre autres départements de Sorbonne Université pour proposer quatre doubles licences. Mathématiques électroniques, mathématiques informatiques, mathématiques mécaniques et mathématiques physiques. Si vous suivez un parcours majeur d'une autre discipline, vous pourrez renforcer vos connaissances en mathématiques en suivant notre mineur. À l'issue de la L3, vous aurez alors un niveau correspondant à un L2 de mathématiques. La licence de mathématiques vous offre de nombreux débouchés. Le plus naturel et le plus fréquent est un master de mathématiques à Sorbonne Université ou dans d'autres établissements. Il vous est aussi possible, par exemple, d'entrer à l'ISUP en vue d'une formation en actuariat ou en master MEF en vue de préparer le CAPES de mathématiques ou bien encore d'intégrer une grande école. Une licence validée vous offre également la possibilité de passer de nombreux concours de la fonction publique. Bienvenue à Sorbonne Université.